à l'appel. Nous avons fait un certain nombre de présentations de concepts, de rappels également. Et à ma connaissance, on est arrivé. Attendez, donc, à ça. Donc, au schéma synoptique d'un ordinateur. Donc, je rappelle qu'un schéma synoptique, c'est un schéma où on ne donne pas le détail des détails, mais seulement donc, les grandes unités fonctionnelles qui sont dans la machine. Et donc, nous avons vu que ce schéma-là répond bien à la définition que nous avons donnée, qu'un ordinateur est un système électronique capable de recevoir, traiter, emmagasiner et transmettre de l'information. Donc, chacune des fonctions, pratiquement, c'est une unité, n'est-ce pas? Nous avons donc discuté un peu de tout ici et nous sommes arrivés à ce point-là. Donc, voilà le schéma complet. Il reste un mot sur ça, si vous voulez. Donc, l'informatique, c'est le temps et l'espace, n'est-ce pas? Donc, alors, en termes de temps, ces unités qui sont devant moi, il y a à savoir les unités d'entrée, l'UCT, les unités de sortie, mémoire centrale, mémoire secondaire, en termes de vitesse, qui est plus rapide que qui? Voilà la question que je pose, parce que c'est une question qui nous intéresse en termes de temps. Alors, vous me dites quoi sur ce point? Qui est l'unité ici la plus rapide? UCT, monsieur. L'ICT, excellent, excellent. Parce que c'est là où il y a le processeur, c'est là où il y a les registres, et donc c'est très, très rapide. La deuxième unité, s'il vous plaît, en décroissance, hein, de la vitesse en décroissance. Quelle est la deuxième unité? Secondaire. Nam? La mémoire La secondaire. mémoire centrale. C'est la mémoire centrale, effectivement. En bas, Ushijina? Mémoire secondaire. La mémoire secondaire, en bas, c'est les unités d'entrée et sortie. Donc, finalement, les unités d'entrée et sortie, c'est les unités les plus lentes dans la machine. Ça veut dire, si un programme demande beaucoup d'entrée et sortie, par exemple, il lit beaucoup de données à partir du clavier, on l'a écrit sur l'écran, ben, notre programme va devenir très, très lent. Ben, c'est-à-dire, on sera pénalisé en termes de temps. Eh bien, alors, Adetin, on dit quoi? On dit que l'ICT, son unité de traitement à peu près, c'est la nanoseconde. La mémoire centrale, c'est quelques dizaines de nanosecondes. La mémoire secondaire, c'est un peu plus, etc. Mais si on vous demande de comparer ici la nanoseconde ici à quelques dizaines de nanosecondes, tellement c'est petit, tout le monde va dire, mais c'est la même chose. Donc on ne voit pas très bien la différence dans le temps. Alors, il y a des experts qui, pour aider les lecteurs, ont dit, et si on augmente l'échelle? Si on augmente l'échelle, c'est juste pour voir. Donc, ils se sont dit, si on suppose que l'unité de temps de travail, l'UTT, il y a dans la légende, l'UTT, c'est unité de temps de travail. Si je suppose que l'unité de temps de travail au niveau du site, c'est 1 heure, que borne l'échelle. C'est juste pour qu'on arrive à voir et estimer un peu le temps. Donc, c'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est la nanoseconde, mais on a juste agrandi l'échelle. Donc, si on suppose que l'unité de travail au niveau de l'UCT, c'est 1 heure, alors qu'est-ce qui va correspondre au niveau de la mémoire centrale? Donc, la correspondance serait la suivante. À ce moment-là, l'unité de travail dans la mémoire centrale va être 1 jour. Donc, il y a un rapport de 24, n'est-ce pas? Alors, de la même manière, maintenant, si on suppose toujours que l'unité de temps de travail au niveau de l'ICT, c'est 1 heure, quelle serait à ce moment-là l'unité de travail au niveau de la mémoire secondaire? Ça sera 1 an. Et vous, donc, ici, le rapport, il est encore plus grand. Ça, c'est juste pour voir la différence dans le temps. De la même manière, si on suppose que l'unité de travail dans l'ICT, c'est 1 heure, quelle serait à ce moment l'unité de temps de travail dans les unités d'entrée et sortie? Alors, on nous dit combien? 1 siècle. Donc, vous voyez que, effectivement, les unités d'entrée et sortie causent beaucoup de problèmes à l'exécution des programmes en termes de temps.
C'est pour cela qu'actuellement, maintenant, il y a des systèmes, des programmes ou bien des machines qui sont multitâches, des systèmes d'exploitation multitâches. Ça veut dire où on peut lancer plusieurs programmes à la fois. Et dès qu'un programme demande une opération d'entrée-sortie, au lieu que l'UCT va attendre jusqu'à ce que cette opération d'entrée se réalise, et ça va prendre un siècle, alors on préfère passer à un autre programme, à une autre tâche, qui ne demande que le traitement, par exemple, dans l'ICT. Ça nous fait gagner du temps au lieu que sanctionner l'ICT à attendre cette donnée qui va venir de l'unité d'entrée. Donc voilà à peu près en termes de temps, c'est donc un bon indicateur pour nous dire les véritables unités qui pénalisent le temps de travail, bien le temps d'exécution d'un programme, c'est bien les unités d'entrée-sortie. Des questions sur ça? Ok, alors à ce moment-là, on va avancer, s'il n'y a pas de questions. Ça, je l'ai déjà donné, c'était un peu une comparaison dans les technologies de la mémoire. Si vous vous rappelez, donc nous avons dit la mémoire la plus rapide, c'est la RAM statique, la SRAM. C'est elle qui équipe les registres dans le processeur, mais également c'est elle qui équipe les mémoires cache. Leur temps d'accès, donc, c'est entre 1 et 10 nanosecondes à peu près. Et donc, on constate qu'elles sont très, très rapides et malheureusement qu'elles sont très, très chères parce que le prix d'un gigabyte, hein, c'est gigabyte, moi, gigabit, quand on écrit B en majuscule, ça veut dire byte. Je rappelle que byte, c'est octet, c'est 8 bits. Donc, à peu près le coût d'un gigabyte, quand c'est à base de SRAM, c'est beaucoup, beaucoup plus supérieur que 1 000 $. Ça veut dire que c'est excessivement cher. Donc, si vous vous amusez, par exemple, à prendre la mémoire centrale et à mettre que de la SRAM, et vous allez dire, par exemple, moi, je veux 8 gigas. Donc, si c'est 8 gigas de SRAM, eh ben, rien que la mémoire dans votre ordinateur, ça va coûter plus de 8 000 $. Ce qui est excessivement cher. Le deuxième type de mémoire, c'est la DRAM, c'est la RAM dynamique. Ben, vous voyez que son temps d'accès, il est beaucoup plus supérieur que la SRAM. Donc, quand on demande une donnée à la DRAM, elle va prendre plus de temps. Donc, si vous voulez, en termes de vitesse, ce n'est pas la meilleure, mais en termes de temps, c'est meilleur que par rapport à la première, parce que 1 gigabyte va coûter aux environs de 10 $. Hein, ou j'ai 10 $ beaucoup plus de 1 000 $. Le flash SSD, ça c'est mémoire secondaire à base de semi-conducteurs. Vous voyez que le temps d'accès, lui, il est beaucoup plus médiocre parce que c'est descend à quelques centaines de microsecondes. Okay, donc, il y a un rapport ici de combien? À peu près de 1 000. Mais le prix du gigabyte, donc, il n'est pas cher. C'est à peu près, si vous voulez, c'est à peu près 1 $. Finalement, les disques durs, leur donc, temps d'accès est beaucoup plus faible, parce que c'est en millisecondes. Donc, si vous le comparez avec la SRAM, c'est un rapport de 1 million. Parce que pour venir de nano à millisecondes, c'est un rapport de 1 million. Donc, vous voyez que le temps d'accès, il est très faible. Enfin, le temps d'accès, il est très médiocre. Mais le coût du gigabyte, lui, il n'est pas cher du tout. Hein, donc, 0,1 $ à peu près. Voilà, si vous voulez, donc, une comparaison entre les différentes mémoires et les différentes technologies de la mémoire. Bon, il y a une question en bas qui dit laquelle de ces technologies est utilisée dans la mémoire centrale. Et vous dites? La DRAM. C'est la DRAM. Effectivement, c'est la DRAM. Parce que la DRAM, son prix quand même, il est accessible, donc ça ne va pas trop influencer sur le coût de la machine. Très bien, excellent. Alors, on avance, s'il vous plaît. On avance. Je fais برك une remarque انتوما تبداو لو سيمستر تدخلوا سخونين بزاف mais plus on avance plus on voit que le taux de nombre de participants commence à diminuer
Je rappelle que tout m'a dit à peu près 109. Alors maintenant, on est à 75. Alors, d'ici quelques séances, on reviendra à 40-30. Malish. Je continue donc sur ce slide-là. Pardon. Parce que parfois, il y a des fenêtres qui me gênent. Sur ce slide-là, on revient un peu sur la notion de niveau de cache. Vous vous rappelez, les caches sont à base de SRAM. Alors, je donne ici un exemple de la hiérarchie de la mémoire, c'est-à-dire hiérarchie de la plus rapide, la plus intéressante à la moins intéressante dans un serveur, dans un ordinateur, un serveur. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, vous avez le CPU, c'est le cœur de notre serveur, de notre ordinateur. Ensuite, c'est la mémoire cache L1, niveau 1, L2, niveau cache L2, niveau cache L3. Ensuite, la mémoire centrale. Ensuite, la mémoire secondaire. Donc, la hiérarchie, elle est comme ça. Alors, si je parle maintenant en termes d'unité de stockage, alors d'emplacement de stockage, il est clair que les emplacements de stockage les plus rapides sont au niveau du CPU. CPU, c'est l'ICT. Et c'est ce qu'on a appelé les registres. Donc les registres, ce sont des emplacements de stockage. Ils sont les plus rapides, mais vu l'espace qu'il y a dans la surface du CPU et vu le prix de la SRAM, donc les registres, ils sont en nombre très limité. Donc c'est les registres qui sont les plus rapides pour stocker des informations. Alors, ça dépend, je suis sur quel type de machine, quelle est la puissance de cette machine, mais je peux avoir même des CPU avec des tailles qui s'approchent de 1000 bytes. Un registre qui peut faire 1000 bytes. Je rappelle que byte, c'est un octet, c'est 8 bits. Et la vitesse au niveau des registres qui sont en CPU, ça peut aller jusqu'à 300 picosecondes. 300 picosecondes, je rappelle que pico, c'est 10 puissance moins 12. Donc, c'est très, très rapide. C'est pour cela, quand j'ai des variables qui sont dans mon programme, dans la mémoire centrale, pour les traiter, il faudrait les faire monter dans le CPU pour que le traitement soit très rapide. Je vais charger ces variables au niveau des registres du processeur du CPU. Mais je ne peux pas charger toutes les variables parce que le nombre de registres est très limité. Mais je vais gagner beaucoup en termes de vitesse dans le traitement. Après les registres vient donc le cache L1. Voilà le cache L1 qui est à base de SRAM. Voilà, un mot back dans le schéma ici, on représente le L1 en dehors du CPU. Mais c'est les ordinateurs actuels, les plus récents, comme à chaque fois qu'il y a un CPU, il y a de cache L1. Donc, sur les dernières technologies, sur les derniers processeurs, donc, on a intégré le cache L1 dans le CPU. Donc, au lieu qu'il soit externe au CPU, ou là, derrière le CPU. Parce qu'à chaque fois qu'il y a CPU, il y a le cache L1, donc on a préféré l'intégrer dans le CPU. Donc, le cache L1 sur les derniers processeurs, il est intégré dans le CPU. Alors, le cache L1 qui est à base de SRAM également. Alors, vous voyez que la taille moyenne TAO, c'est 64 kilobytes. Donc, c'est très, très petit comme taille. Je suis en kilobytes, 64 kilobytes. C'est dû à quoi? C'est dû justement au prix de la SRAM. Mais qu'est-ce que je gagne en contrepartie? Je gagne le temps d'accès qui est très rapide, une nanoseconde à peu près. C'est parce que c'est à base de SRAM. Maintenant, je peux avoir des ordinateurs seulement avec le L1, qu'un d'autres qui viennent avec L1, L2, qu'un d'autres qui vont me venir avec L1, L2, L3. Ça dépend combien je paye pour ma machine. Maintenant, s'il y a un cache L2, le cache L2, il est un peu plus grand que le cache L1, point de vue taille. Donc, sur la machine actuelle, en moyenne, ça reste toujours en kilobytes, mais beaucoup plus de 64 kilo-octets. C'est un espace un peu plus grand. Rappelez-vous que plus ça devient grand, la taille,
plus on va payer plus cher, n'est-ce pas? Et le temps d'accès, donc, il est de 3 à 10 nanosecondes. Pourquoi? Parce que, pour la simple raison, maintenant, si vous cherchez un papier dans votre poche, ça sera plus rapide que d'aller chercher un papier dans l'armoire. Parce que l'espace de l'armoire est plus grand que l'espace de la poche. Et là également, vous voyez que je suis sur une mémoire où il y a un peu plus d'espace. Donc, la recherche du processeur d'une donnée ici, ça va prendre un peu plus de temps, tout simplement. Maintenant, vous avez des ordinateurs où il y a également le cache L3. Donc, le cache L3, lui, il est plus grand que le cache L1, plus grand que le cache L2. Et en moyenne, c'est quelques mégabytes. Hein, donc, c'est plus grand que les deux premiers. Et le temps d'accès, c'est entre 10 à 20 nanosecondes à peu près. Donc, pourquoi plus l'espace est plus grand, plus ça va prendre un peu plus de temps d'accéder à une donnée pour la trouver, tout simplement. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de cases mémoire et donc parfois la recherche prend un peu plus de temps. Mais ça reste toujours, c'est des caches SRAM. Alors, laissez-moi reprendre un exemple. Maintenant, vous avez un programme que vous voulez exécuter. Et une des instructions du programme, où je trouve input X. X étant une variable. Si c'est une variable, ça veut dire qu'elle est dans la mémoire centrale, ici. Donc, que va faire le processeur? Il va aller chercher, parce que l'instruction dit input X, ramener X. Donc, il va d'abord dans le cache L1 pour dire est-ce qu'il y a la variable X? Si je suppose que je viens juste d'allumer la machine, donc le cache L1, L2 et L3 sont vides au départ. Rien. Donc, le processeur va aller sur le cache L1. Lui dire est-ce qu'il y a X, la variable X, comme on est au début, le cache est vide, et le cache va dire au CPU, désolé, moi j'ai dit la variable X. Le CPU donc va aller sur le cache L2. Il va poser la même question, est-ce que tu as la variable X? Je suis au départ, le cache est vide, donc désolé, je n'ai pas X. Le CPU va poser la même question à L3, et L3 va dire désolé, on vient de démarrer, donc mon cache est vide. Mais cache X. À ce moment-là, que va faire le processeur? Il va aller chercher X dans la mémoire, parce que certainement, il est dans la mémoire. Et quand il va aller la chercher dans la mémoire, qu'est-ce qu'il va faire? Et il ne va pas seulement prendre X, mais il va prendre X et les voisins de X, ce qu'on appelle un bloc. Donc, il ne ramène pas X bar, il va ramener X et les voisins de X. Il va les mettre ici, il va les mettre là, il va les mettre ici. OK? Et ça veut dire que maintenant, le L1 va donner X au CPU, parce qu'il est le plus rapide en termes de temps d'accès. Donc, on a X. Maintenant, si le prochain traitement, supposez que vous êtes dans une matrice, là, dans un vecteur, donc si maintenant on demande la variable X plus 1, ça veut dire la suivante. Alors, rebelote, CPU va dire au L1, j'ai besoin de la variable X plus 1. Qui va lui dire maintenant le L1? Oui, vous l'aurez indiqué. Parce que ce qu'on a ramené de la mémoire centrale, on a ramené un bloc, ça veut dire le X et ses voisins. Et à ce moment-là, le L1 va donner le X plus 1. Donc, alors, vous notez, s'il vous plaît, au départ, quand on a cherché X, j'ai boum la mémoire centrale. Donc, on a payé 100 nanosecondes, si vous voulez. Et maintenant, pour X plus 1, il le ramène 2 là. Parce que là, j'en ai ramené un bloc. Et à ce moment-là, le temps d'accès à X plus 1 sera seulement de 1 nanoseconde. Voilà, et donc c'est plus rapide. Oui, monsieur, je vous écoute. Exact, exact. Parce que nous avons vu que le temps d'accès à la mémoire centrale, il est très médiocre. Donc, si on s'amuse à chaque donnée à aller la chercher de la mémoire centrale, donc on paiera à chaque fois combien? À peu près 100 nanosecondes. Maintenant, si on arrive à ramener les données qu'on veut et les mettre dans le cache L1, ben le temps d'accès des variables sera seulement d'une une nanoseconde. Donc, ça sera le bonheur. Ça sera, le traitement serait beaucoup plus rapide. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Ok, avec ça. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Monsieur, Voilà. si la donnée qu'on va ramener à plus de 64 kilobytes, comment on va faire? On va la mettre dans
kilobytes. Ça veut dire 4 4 kilobytes. Audiez la question, s'il vous plaît, parce que je vous entends mal. Hein. Je vous ai dit, si la donnée qu'on va amener de la mémoire centrale Oui. va avoir plus de 64 kilobytes. Écoutez, je n'ai pas dit qu'il va ramener toute la mémoire centrale. J'ai dit qu'il va ramener un bloc. Maintenant, chaque machine, comment elle définit le bloc? Ça peut être 64 bytes, ça peut être 128 bytes, 9 kilos. Ça peut être 256 bytes, ça peut être 1024 bytes. Ben, si vous ramenez 1024 bytes, mon cher, ça, 1024 bytes, ça veut dire qu'il y a plus d'un million, plus de 1000 variables. Oui. Et 1000 bytes, ce n'est pas, c'est beaucoup inférieur à la taille de la mémoire centrale. Mais ça veut dire que vous êtes rassuré d'aller traiter 1024 variables à partir du cache, vous payez pour chaque variable un temps d'accès d'une seconde. Donc, moi, j'ai dit que ce qu'on ramène de la mémoire, c'est un bloc, ce n'est pas toute la mémoire. OK? Et donc, j'ai dit, ça dépend de la machine que nous avons achetée. Il y a des blocs de 64 bytes, qu'un à 128 bytes, qu'un 256, qu'un 512 bytes, ou qu'un 1024 bytes. Avec 1024 bytes, donc si vous assurez que pour chaque 1024 variables qui se suivent, vous n'allez qu'une seule fois à la mémoire, c'est le bonheur. Et vous allez trouver toute l'humanité qui est contente. Merci. OK. D'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur, est-ce que les caches sont tout le temps vides et chaque fois qu'on lance un programme, on ramène les données dans la mémoire centrale? Très bien, très bien, très bien, très bien. OK. Et vous êtes d'accord avec moi que le cache L1, L2, L3, c'est de la SRAM, n'est-ce pas? Oui. OK. Et tout m'a dit que la SRAM, elle est volatile. Oui. Parce que Pardon. la SRAM, ça reste de la RAM. La SRAM, c'est de la RAM, mais elle est statique. Donc la SRAM et la DRAM, ce sont des RAM. Donc elles sont volatiles. Et parce qu'elles sont volatiles, ça veut dire que quand j'éteins la machine, je perds leur contenu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Donc monsieur. quand j'allume la machine, quel est l'état de ces caches-là? Ils sont vides. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui me demande, il y a Marwa, qui me demande très rapidement, je reprends l'histoire de X. Marwa, l'histoire de X. Donc, alors, je reprends l'histoire de X. Supposé dans votre programme, il y a une instruction qui dit int x. X pour moi, c'est une variable. Donc la variable, elle est dans la mémoire centrale au départ, parce que mon programme reste dans la mémoire centrale. Donc, le CPU rencontre l'instruction input x. Donc il dit, tiens, il faut que j'aille chercher la variable x et la charger dans un registre. Donc il va aller dans le L1. Mais le L1 est vide, n'est-ce pas, au départ. Donc le L1, désolé, mais je suis parce qu'on vient de commencer. Donc il va poser la question à L2. Le L2 va lui dire la même chose. Désolé, on vient de commencer, je suis encore vide, mais indique des variables. Et il va le faire avec le L3, c'est la même chose. On appelle ça le fait que le CPU ne trouve pas la donnée. Dans le cache, on appelle ça un cache miss en anglais. Un cache miss. Miss, c'est MI2S. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un I miss you, ça veut dire ma kontch maaya, n'est-ce pas? Et en français, on appelle ça un échec du cache. Quand le CPU ne trouve pas la donnée dans les caches, c'est un échec du cache. Donc, à la première fois, il y a un échec du cache. Donc, automatiquement, le CPU, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ma lqitch fi le L1, ma lqitch fi le L2, ma lqitch fi le L3, parce qu'au départ, ils sont vides. Et donc, je vais aller la chercher. Ça veut dire de la mémoire centrale. Donc là, il va trouver X parce que mon programme, il est là. Okay? Alors, il va ramener, comme j'ai dit, il ne va pas ramener le X wahdo, il va ramener un bloc. Parce que les caches utilisent ce qu'on appelle le principe de la localité spatiale et temporelle. Donc, j'ai X et ses voisins. Combien de voisins, ça dépend de la puissance des caches que vous avez et de la stratégie du cache. Donc, j'ai bien un bloc chargé. Elle en a chargé, elle en a chargé, elle en a. Maintenant,
Ça veut dire le x adec, on l'a payé au prix de combien? De 100 nanosecondes, n'est-ce pas? Mais si dans le programme, après, X, tu me diras que les matrices, les vecteurs, quand vous traitez un élément, vous passez à l'élément suivant. Donc, maintenant, si dans le programme, maintenant, il s'agit de input X plus 1, ça veut dire la case mémoire suivante, la variable suivante, donc le rebelote, le CPU, va dire au L1, est-ce qu'indique la variable X plus 1? Et cette fois-ci, quelle serait la réponse? Oui, rien dit, parce qu'on a ramené tout un bloc quand on a chargé X. Et donc, ça sera le cache L1 qui va fournir la variable X plus 1. Et donc, combien on va payer maintenant pour X plus 1? Une nanoseconde seulement. Et quand on passe à X plus 2, le L1 va dire oui, rien dit. Donc, encore une nanoseconde. Donc, au lieu que pour chaque variable, je vais payer 100 nanosecondes, je paierai 100 nanosecondes seulement quand il y a un cache miss, quand il y a un échec du cache. Mais à partir du moment que le CPU maintenant trouve les voisins dans le cache, c'est ce qu'on appelle en anglais le cache hit. Le cache hit, hit, c'est HIT. Donc en français, c'est le succès du cache. À chaque fois que le CPU trouve une donnée dans le cache, c'est un succès du cache. C'est un cache hit. Et donc, on ne parle qu'une nanoseconde. Donc, vous voyez que les caches, ils nous rendent un grand service, nous permettent d'accélérer l'accès aux différentes variables. J'espère que c'est clair. Merci Alik, merci Alik. OK, alors on continue. Ça, c'est la Marie. On continue. J'aime bien quand vous me posez des questions, parce qu'un autre, comme dès le départ, le cours, on ne communique pas, ce n'est pas réussi. Il faut qu'on communique. Alors, on continue, s'il vous plaît. Hada, alors, voyez-vous, je continue. Alors, le cache L1, donc c'est à peu près 64 kilobytes. Ils sont petits, même sur les machines actuelles, il est très petit. Le cache Monsieur, L2, c'est à peu près un an, oui. le qui dit CPU qui trouve l'input X, il X mais la mémoire. Parce qu'il y a un cache miss au départ, oui. ما يصيبوش في الكاش علاش الاكس هذيك ما يحطهاش في ال 3 يحطها في ال ان نو الوغ كو نو ال نو 3 نو يتيستي الى فارغه نو نو استنى يحطوا في كي يجيبوا يحطوا في ال L3 ويحطوا في ال L2 ويحطوا في ال L1 يحطوا فيهم في ثلاثة في ثلاثة هي وعلاش مي كون تون مي لو اكس اللي هنا جينا هذاك ان بلوك نيس با مي سي تو برون لو L3 الاسباس سي بلو غران سادير لا بروشين فوا كنت يبغى رامني ان بلوك Au niveau de L1, il va faire le bloc qui est ancien ou il dire un nouveau de là. Par contre, quand dans le L3, l'espace est plus grand, il va laisser le bloc qui est déjà au bel ou il dire un autre bloc. Ça veut dire la chance de trouver une autre variable serait plus grande au niveau de L3 par rapport à L1, parce que L1 est plus grand, tout simplement. OK, alors s'il vous plaît, les caches L3 sont à peu près quelques mégas. Quelques mégas. La mémoire centrale, elle est en gigas. Par contre, disque, c'est en terabyte. Terabyte. OK? Là, vous avez les différentes, une estimation des différents temps. Bien sûr, alors, moi, je coule comme Hafdin, Tera, Giga également. Donc, je vous donne ici, dans la zone bleue, un rappel de quelques préfixes des unités de mesure. S'il vous plaît, HD également, c'est de la culture générale. Ça sera haram dans un examen. Le dit, monsieur, c'est quoi un terabyte? Donc, vous devez le faire rentrer dans votre tête maintenant et ça doit être votre culture générale. Vous avez suivi Philippe Dreyfus, donc vous êtes informaticien, donc il y a certaines connaissances. Mais moi, je suis là pour vous faire le cas de parce que عيب كان مثلا تكون في السوق تاع ابو معطي le vendeur avec Fibo Mati, il dit que c'est quoi un exabyte? Vous dites, parce que je suis informaticien, il dit que c'est quoi un exabyte? Vous dites, on va aller à la maison, on va voir le cahier et on dit que c'est quoi un exabyte? Il te rigole. Donc ça doit être dans votre tête. Alors, des connaissances pareilles, Adam, dans un examen, je ne répondrai jamais, parce que j'exige que ça soit dans votre tête. OK? Donc là, s'il vous plaît, quelques préfixes. Je n'ai pas donné tous les préfixes. J'ai donné les préfixes des unités de mesure qui nous intéressent, nous, en tant qu'informaticiens, parce qu'il y en a d'autres.
Alors, un picot, c'est 10 puissance 12. D'ailleurs, on a vu ici picot seconde. Donc, c'est 10 puissance 12. Une nano, c'est 10 puissance 9, moins 9. On a vu déjà nano. Micro, c'est 10 puissance 6. Milli, 10 puissance moins 3. 1 kilo, c'est 10 puissance 3. 1 méga, c'est 10 puissance 6. 1 giga, c'est 10 puissance 9. Tout cela, on les a rencontrés ici. 1 téra, c'est 10 puissance 12. 1 exa, c'est 10 puissance 15. 1 péta, c'est 10 puissance 18. Et zeta, c'est 10 puissance 21. OK? Alors, il y a un terme qu'on utilise dans les superordinateurs d'aujourd'hui. Je parle des superordinateurs, comme la NASA, etc. Donc, les gens, quand ils veulent estimer le nombre d'opérations que leur ordinateur, leur superordinateur, fait par une seconde, on dit tout simplement qu'on est en train de passer à l'ère, l'ère, ça veut dire le Zeman, pétaflopique. Hein, ça veut dire qu'on peut faire un péta opération à peu près, ou là, quelques péta opérations dans une seconde sur le superordinateur. Et péta, c'est 10 puissance 18. Voilà, donc ça, c'est de la culture générale. Donc, je compte sur vous que ça doit être mémorisé une fois pour toutes. Monsieur, donc comme il reste la vitesse du processeur, il reste à blé flops. Au Exact, cas où je veux. exact. Et flop. Non, attendez, une seconde, Barc. Celui, s'il vous plaît, qui n'est pas en train de parler, ferme son micro. Parce qu'il y a une histoire Ben, celui qui n'utilise pas son micro, ferme son micro, s'il vous plaît. OK, alors, oui, les opérations sur les grandes machines, les super ordinateurs, c'est compté en flops. Flops, pour les gens qui ne connaissent pas ça, flops, c'est floating point par seconde. C'est le nombre d'opérations en virgule flottante par seconde. Et l'unité dans les super ordinateurs, c'est les flops. On dit donc qu'on était dans l'ère hexaflopique, et on passe maintenant vers l'ère pétaflopique. Encore une autre fois, s'il vous plaît, celui qui n'est pas en train de parler, ferme son micro, s'il vous plaît. Parce que celui qui est en train de parler, ma sahbou, ne ferme pas son micro, j'ai un moyen pour le faire sortir, s'il vous plaît. C'est bon pour ça? Alors, on passe au slide suivant. Hiérarchie des mémoires. Ça, c'est quand on veut représenter la hiérarchie de la mémoire dans les ordinateurs, généralement, on la représente par une pyramide, comme ça. Une pyramide qui a un sommet ou une base. Tous les ordinateurs, ils ont une hiérarchie de la mémoire, et cette hiérarchie, on la représente dans les articles scientifiques, dans les articles de recherche, comme ça, en pyramide. Quand je suis au sommet, je suis avec les unités de stockage les plus rapides. Hein, donc, tout le monde sait, c'est les registres du CPU. Plus je descends, la mémoire devient plus lente. Et la dernière, bien sûr, c'est la bande magnétique. Okay? En passant par le cache, en passant par la mémoire centrale, en passant par le disque magnétique, le disque optique, etc. Alors, il y a la représentation dans les ordinateurs. Donc, quand je monte vers le haut, vers le sommet, quand je m'approche donc du processeur, parce que le processeur est là, quand je m'approche du processeur, qu'est-ce que je fais? Le coût d'un bit devient très cher. C'est ce que nous avons dit. Parce qu'en montant vers le processeur, on va trouver de la SRAM. La SRAM, c'est la plus rapide. Vous vous rappelez, beaucoup plus supérieure que 1 000 $. Maintenant, plus on descend comme ça, plus on a une plus grande capacité. Pas. Hein, ça veut dire que la capacité d'un disque optique, elle est beaucoup plus grande en bytes par rapport à la capacité des registres. Okay? Mais également, ce que je vais gagner, c'est que le temps d'accès devient également plus grand, plus long. Vos micros, s'il vous plaît, vos micros. Qu'est-ce que je constate? Plus je vais au sommet, je m'approche du processeur, plus le coût du bit, là, du byte devient plus cher, mais la vitesse, le temps d'accès est beaucoup plus meilleur. Plus je descends vers la base, plus je vais avoir quoi? Je vais avoir une plus grande capacité,
mais le temps d'accès sera plus faible, médiocre. Et le coût, si vous voulez, de la mémoire devient plus abordable. Donc là, je le résume ici en disant, vous lisez ici, attendez, qui me gêne. Qu'est-ce qui est dit ici? L'objectif de la hiérarchie, c'est mémoire plus rapide mais chère avec peu d'espace près du processeur. Donc, plus je m'approche du processeur, la mémoire est rapide mais elle est chère et l'espace est plus petit. C'est une question de prix. Plus maintenant. Je connais. Je crois que c'est Brahimi. Brahimi, s'il te plaît. Il met quand je t'adore, habille le micro, s'il te plaît. Donc, c'est vous. Et maintenant, toujours dans les objectifs, mémoire large, mais lente et pas coûteuse, loin du processeur. Donc, plus je m'éloigne du processeur, plus la mémoire peut être d'une grande capacité, mais lente et pas coûteuse. Voilà. Vous m'avez écrit péta égale 10 puissance 15, je l'ai donné déjà. Ah, voilà. Ah, péta. Non, péta. Attends, je me trompe ici? Non. Péta, c'est 10 puissance 18 Oui, par monsieur 15. Kaina, Parce et que. exa 10 puissance 18. قلبت ما Ah, بين بيتا و الاكزا. ok. Parce que. كتبت ما قدرت برك, oui. On a péta, bah, on a exa. Donc, vous voulez changer, s'il vous plaît. Les deux. Donc, on a péta, 10 puissance 15, et on a exa, 10 puissance 18. 18. Ces deux-là, vous les changez. Donc, je vais les changer avant de vous poster le document. Oui, merci, ça aide. Parce que parfois, je ne prends pas d'un document et là, ça merci pour l'information, ça. OK, en avant, s'il vous plaît. Alors. On revient maintenant. Si vous avez suivi la logique de ma présentation, on a commencé par le mot informatique. Ensuite, on a défini le mot informatique. Nous avons vu que l'automate qui fait le traitement automatique s'appelait ordinateur. Nous avons défini ordinateur. Tout cela, c'était des notions qu'on mettait dans notre dictionnaire parce qu'on supposait que nos connaissances sont zéro en informatique. Donc, on est passé de l'informatique à la notion d'ordinateur. Ensuite, on est passé au schéma synoptique d'un ordinateur. Et le prochain point que l'on définit, c'est micro-informatique. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait en Algérie et maintenant partout dans le monde, c'est beaucoup plus de la micro-informatique. Parce que les parcs que nous avons, ce sont des parcs à micro-ordinateurs. Donc, on fait beaucoup plus de la micro-informatique. Donc, si je veux définir la notion de micro-informatique, je dirais que la principale caractéristique de la micro-informatique, c'est l'utilisation des micro-ordinateurs. Hein? Quand je suis sur l'informatique, c'est les ordinateurs, mais quand je suis sur la micro-informatique, c'est les micro-ordinateurs. Là également, notre dictionnaire ne connaît pas le mot micro-ordinateur et on le définit de nouveau. Donc, un micro-ordinateur, je le définis comment? C'est un ordinateur de faible encombrement. Donc, même le micro-ordinateur, c'est un ordinateur. Et quand je dis c'est un ordinateur, ça veut dire quoi? Même au micro-ordinateur, je vais appliquer la définition d'un ordinateur est un système électronique capable de recevoir, traiter, emmagasiner et transmettre l'information. Donc, le fait de dire un micro-ordinateur est un ordinateur, ça veut dire je peux lui appliquer la même définition, mais il est de faible encombrement, ça veut dire qu'il ne prend pas beaucoup d'espace. Et son unité centrale de traitement, on l'appelle un microprocesseur. Donc, je suis dans un micro-ordinateur. L'ICT s'appelle un microprocesseur. C'est quoi un microprocesseur? Donc, c'est le prochain mot à définir dans notre dictionnaire. Donc, microprocesseur, c'est quoi un microprocesseur? C'est un circuit intégré. Vous dites une puce, c'est la même chose. Donc, c'est un circuit intégré complexe. Oui, il est complexe parce qu'il fait beaucoup de fonctions, capable de réaliser toutes les opérations d'une unité centrale de traitement. Donc finalement, un microprocesseur, c'est l'ICT, s'il vous plaît, parce qu'il réalise toutes les opérations d'une unité centrale de traitement, mais il est miniaturisé, son volume est très petit. Ça, c'est un microprocesseur.
Donc, on sera intéressé par étudier le microprocesseur. Monsieur, Bien. Oui. les cœurs جايين في الميكروبروسيسور ولا هما لي ميكروبروسيسور؟ نعم. لي لي. كور. أني شيك بالعقل دوك نشيك دوك نشيك اصبر لي برك. اوكي ici je donne quelques images de quelques processeurs. Ben, mon choix il est justifié, je ne vous le dis pas tout de suite. Donc là, on a dit un microprocesseur est un circuit intégré. C'est des circuits intégrés, c'est des puces si vous voulez. La première image que je donne ici, c'est un processeur qui s'appelle Intel 4004. Intel 4004. Bon, je crois que le look, chacun de vous dira, mais c'est bien ancien. Bon, هذا الميكروبروسيسور il a le mérite, je dis bien il a le mérite d'être le premier microprocesseur du fabricant Intel. يعني الأول processeur microprocesseur que Intel a fabriqué c'est le 4004. Avant le 4004, Intel n'avait pas de microprocesseur. Et je vous rappelle que Intel c'est le leader des processeurs dans le monde. Intel, c'est juste pour votre curiosité, Intel, c'est le nom d'une entreprise qui réalise les processeurs. Et Intel, c'est une contraction, c'est une contraction, construction par deux termes. Int, c'est pour dire international. Int, c'est pour dire international. Et EL, c'est pour dire électronique. Donc, ça vient de international électronique. Sur votre laptop, vous trouvez qu'il y a une étiquette qui dit Intel Inside, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le premier microprocesseur fabriqué par Intel. Bon, il est très modeste, mais c'était le premier. C'était un processeur 4 bits, tout simplement. Donc 4 bits. La paille est à 4 bits. Là, c'est une image d'un autre processeur qui est plus évolué que le précédent. C'est ce qu'on appelle Intel 8086. Le processeur, c'est un processeur 16 bits. Donc, si celui-là s'est traité des données seulement de 4 bits, il s'est traité des données sur 16 bits. Ce qui est très bien. Parce que, pour votre information, si un processeur ne peut traiter que des données sur 4 bits, est-ce que je peux connaître le domaine de ces données-là, le domaine des valeurs de ces données-là, quand c'est sur 4 bits. Alors, la donnée la plus faible qui peut traiter, c'est la donnée égale à combien? Où tous les bits sont à 0. Donc, c'est la valeur 0. Et vous commencez à changer les bits et la plus grande valeur serait combien? Les 4 bits à 1. Les 4 bits à 1. Et donc, le processeur ne sait traiter que les données allant de la valeur 0 jusqu'à la valeur 15. Prenez celui-là. C'est un 16 bits. Donc, les données sont codées sur 16 bits. Donc, la plus faible donnée qu'il peut traiter, comme non signée, bien sûr, c'est que tous les bits, les 16 bits sont à 0. Ce qui va me donner en décimale 0. Et la plus haute donnée qu'il peut traiter, la plus grande donnée qu'il peut traiter, c'est que les 16 bits sont à 1. Et si vous mettez les 16 bits à 1, cette fois-ci, je passe de la valeur maximale 15 ici, je passe la valeur maximale 65 535. 65 535, ce qui est beaucoup plus grand que cela. Ça, c'est un processeur maintenant actuel, hein? C'est un i9. C'est un processeur i9. Le processeur, c'est un processeur 64 bits. Ça veut dire que les données qu'il peut traiter sont cotées sur 64 bits. Parfait. Alors, maintenant je réponds à la question qui m'a été posée sur le cœur. Le processeur, on a une seule UIL, donc c'est un monocœur. On a un seul cœur. Parce que dans chaque cœur, il y a une UIL. Le processeur également est un monocœur, c'est un seul cœur. Mais le processeur, il est multicœur. Vous voyez, core, ça veut dire cœur. Ou dans chaque cœur, je vais avoir une unité arithmétique et logique. En moyenne, on trouve 8 cœurs à peu près. Voilà. Alors, Docker, les PC, gars à 64 bits.
كي تقول لي دركا تو لي بي سي 164 بيت ما كاينش 32 بيت كاين 32 بيت وكاين 64 بيت مي لي لا لا مسيو مسيو بلي 32 بيت قليل بزاف دوكا دوكا كاع ما يخدموش 64 سا دي pense que vous voulez faire, ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors, 30 bits, ça ne veut pas dire x85. Même les 32 bits actuels sont x86. On reviendra sur ça plus tard, Inch'Allah. C'est le nombre de noyaux, mais je ne sais pas si c'est par noyau. Moi, je sais qu'on peut, on parle soit de corps en anglais ou de cœur en français. Maintenant, noyau, pour toi, noyau, ça veut dire, je parle de la Marie, hein. Si noyau veut dire cœur, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Parfait. Donc, alors, je reviens marche arrière un moment. Donc, la notion de microprocesseur, c'est un circuit intégré. On est d'accord sur une chose, que tout cela, c'est des circuits intégrés. Mais il y a une évolution du premier en passant par un intermédiaire jusqu'au plus rapide. Si vous voulez, il y a quelque chose que je n'ai pas dit aux gens de ISIL, mais je vais vous dire. Depuis le microprocesseur 80-86, la compatibilité ascendante, la compatibilité logicielle est ascendante. Ça veut dire quoi? À partir de celui-là, il a le mérite de commencer la compatibilité ascendante. Ça veut dire, vous écrivez un programme ici, il y a une compatibilité ascendante. Ça veut dire que même le plus récent, arrive à comprendre le programme. Hada, le premier, n'est pas compatible avec les autres. Donc, si vous écrivez quelque chose ici, Hada me yfahmo ou Hada me yfahmo. Et à partir du 80-86, on parle de la compatibilité ascendante. Ta saoudia. Parce que le contraire n'est pas vrai. Si vous écrivez un programme ici, comme Hada, il est plus puissant, plus récent que Hada, mumkin Hada yfahmo, mumkin me yfahmoch. Ça dépend, est-ce que c'est des instructions nouvelles, etc. Mais Hada qui est là, tout ce que vous écrivez comme code, Hada il ferme automatiquement. Donc on parle de compatibilité ascendante. Mais le qadim, le jdid. Voilà. Alors, on avance, si vous voulez. Alors, comme on a fait avec informatique, vous vous rappelez, quand on a fait informatique, on a l'automate, c'est un ordinateur, mais on a le schéma synoptique d'un ordinateur. On fait la même chose. Maintenant, on parle de la micro-informatique. On a l'automate, maintenant, c'est, si vous voulez, le microprocesseur. Et cette fois-ci, on parle de quoi? Du schéma synoptique d'un micro-ordinateur. Donc, voilà le schéma synoptique d'un micro-ordinateur. Rappelez-vous toujours que pour nous, schéma synoptique, ça veut dire qu'on ne montre que les grandes unités fonctionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le cœur battant ou le système nerveux du micro-ordinateur s'appelle microprocesseur. Dorénavant, microprocesseur, je le note comme ça, microprocesseur, voilà, à fil à l'échelle. Donc, cette notation veut dire microprocesseur. Donc, là, c'est le microprocesseur. C'est l'ICT dans un micro-ordinateur. Ça veut dire, s'il y a un traitement quelconque, arithmétique, logique, de décalage, de rotation, il ne peut se faire que dans le processeur. Les autres ne font pas de traitement. Alors, il y a un microprocesseur qui réalise les traitements demandés. Alors, un microprocesseur doit être piloté par ce qu'on appelle une horloge. Une horloge. Cette horloge-là va fournir quoi? Un signal d'horloge. Et donc, elle est caractérisée par quoi? Par une fréquence. D'ailleurs, quand vous allez acheter un micro-ordinateur, l'une des questions que vous posez au vendeur, vous dites, le micro-ordinateur, le laptop, c'est quoi sa fréquence? Donc, on est en train de parler de la fréquence de l'horloge fournie par le circuit d'horloge qui est là. Alors, deux mots sur cela. Le circuit d'horloge, il peut être soit externe au microprocesseur, mais il peut également être interne au microprocesseur. C'est les dernières technologies, donc, le circuit d'horloge, il est intégré au processeur. Ça veut dire que quand vous achetez le microprocesseur, le circuit d'horloge, il est intégré à l'intérieur. Voilà, je pense qu'on s'est dit à chaque fois qu'il y a un microprocesseur, une horloge. Donc, autant mieux mettre le circuit d'horloge à l'intérieur. Mais pour nous, que l'horloge soit externe ou interne, c'est la même chose. Al-Muhamm, l'horloge va nous fournir un signal qu'on appelle le signal d'horloge, qui est caractérisé par une fréquence.
Je vais revenir sur ça dans le prochain slide, s'il vous plaît. En plus de cela, qu'est-ce que vous voyez? Qu'il y a de la mémoire centrale. S'il y a de la mémoire MC, pour moi, c'est mémoire centrale. OK? Et s'il y a mémoire centrale, nous avons dit que c'est à base de DRAM, n'est-ce pas? La relation entre microprocesseur et mémoire centrale se fait ce qu'on appelle avec trois bus. Voilà, trois bus. Vous avez le bus d'adresse qui est là. Hein, c'est noté ici, si je, vous cherchez, voilà, BA, bus d'adresse. Vous avez un deuxième bus qui relie le processeur à la mémoire centrale qu'on appelle le bus de données. Vous avez un troisième bus qui relie le processeur à la mémoire qu'on appelle le bus de contrôle. Donc, la mémoire est connectée, la mémoire centrale est connectée au microprocesseur à travers trois bus. Le bus d'adresse, le bus de données et le bus de contrôle. Dans les prochains cas, je vais détailler tout cela. Mais Khaline n'a pas de mots sur cela, mais je ne peux pas détailler pour l'instant. Alors, je vais vous demander seulement de faire une observation. Remarquez parmi ces trois bus, il n'y a que le bus d'adresse qui est unidirectionnel. C'est quoi unidirectionnel? C'est-à-dire qu'il a une flèche, la tête d'une flèche seulement d'un côté. De ce côté, il n'y a pas une tête de flèche. Donc, il est unidirectionnel. C'est-à-dire que les informations rentrent toujours du processeur à la mémoire. Jamais le contraire. Les deux autres bus, le bus de données et le bus de contrôle, ils sont bidirectionnels. Vous voyez, ils ont une double tête. Tout le monde voit ça? Alors, en deux mots, s'il vous plaît. Le bus d'adresse permet au microprocesseur de dire à la mémoire quelle est la case mémoire que le processeur veut accéder. OK? Maintenant, vous dites input X, et X il est dans la mémoire centrale. Et bien, l'adresse de la variable X va être envoyée du microprocesseur à la mémoire centrale à travers le bus d'adresse. Donc, vous notez que c'est le microprocesseur qui adresse la mémoire, mais il n'y a rien à adresser au niveau du microprocesseur. Donc, le bus, il est unidirectionnel. Alors, maintenant, le bus de données, il est bidirectionnel. Pourquoi il est bidirectionnel? Parce que c'est le bus qui va véhiculer les données. Maintenant, quand on input X, sur le bus d'adresse, le processeur envoie l'adresse, il dit quelle est la case mémoire, et la donnée va venir dans un sens comme ça. Parce que input X, ça veut dire qu'on ramène la donnée vers le processeur. Maintenant, si vous dites output Y, ça sera le contraire. Output Y, ça veut dire que le microprocesseur va mettre sur le bus d'adresse l'adresse de la case mémoire Y, et dans le bus de données, il va envoyer quoi? La donnée dans ce sens-là pour qu'elle soit écrite dans la mémoire centrale. D'où maintenant l'intérêt d'avoir un bus de données bidirectionnel, parce qu'on peut lire la mémoire RD, on peut soit la lire, soit l'écrire. En cas de lecture, la donnée va aller dans ce sens-là. En cas d'écriture, la donnée va aller dans ce sens-là. Donc, le bus de données, il est bidirectionnel. Le bus de contrôle, je ne dis pas qu'un mot, vous patientez, je donnerai plus de détails plus tard. Le bus de contrôle, alors, si le bus d'adresse va véhiculer seulement les adresses des cases mémoire que l'on veut accéder, le bus de données véhicule seulement les données. Le bus de contrôle, lui, ne véhicule ni adresse ni données. Il véhicule ce qu'on appelle les signaux de contrôle. C'est les signaux de contrôle. Hein? C'est les signaux de contrôle. J'en parlerai plus tard, Inch'Allah. Patientez, nous l'aklam nadra liha. OK, alors, s'il vous plaît, s'il y a une mémoire cache, je pensais que la mémoire cache va venir entre le processeur et la mémoire centrale, n'est-ce pas? Donc, elle est là. Et elle est à page de SRAM, et nous avons parlé de cela. Ça peut être L1 ou L2, ça peut être L1, L2, ça peut être L2, L3, L1, L2, L3. Donc, elle doit être à ce niveau-là. OK, donc ça, vous voyez que cette partie, moi, je l'ai encadrée comme ça. Ça, c'est pour vous dire que ça, c'est l'objet du semestre 1, de Archi 1. Donc, dans Archi 1, on ne fera que cette partie qui est là. Elle est la partie. OK. Mais maintenant, un processeur ne discute pas seulement avec la mémoire. Le processeur peut discuter avec ce qu'on appelle des périphériques. Donc, ça peut être le clavier, ça peut être l'écran, ça peut être une imprimante, ça peut être le disque, ça peut être un flash disque, etc. Ça peut être un moteur et beaucoup d'autres choses.
Alors, ce que vous notez à ce moment-là, si le processeur discute avec ces périphériques-là, on les appelle les périphériques d'entrée et sortie. S'il discute avec ces périphériques, il ne peut pas le faire directement avec ces périphériques. Il doit utiliser un intermédiaire. Cet intermédiaire-là, wasit, on l'appelle circuit d'interface d'entrée et sortie. Donc, aucun périphérique, ni le clavier, ni l'écran, ni l'imprimante, etc., ne sont connectés directement au microprocesseur. Ils ne sont connectés qu'à travers des circuits d'interface. Okay? Donc, supposons que moi, je veux écrire une donnée sur l'écran. Maintenant, il y a une instruction qui dit afficher X. Donc, n'attendez pas que le processeur va prendre X et va l'écrire directement sur l'écran. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer à un circuit d'interface qui s'appelle le circuit d'interface de l'écran. Il va dire, je t'envoie X, mais je te bats tout l'écran. Et c'est le circuit d'interface qui va l'envoyer à l'écran. Okay? Donc, il y a des intermédiaires entre les deux. Alors, s'il vous plaît, cette deuxième partie, ça devient le processeur et tout cela, Adam, entre l'interaction entre processeur et les unités d'entrée et sortie, ça va faire l'objet de Archie 2 dans le deuxième semestre. Donc, Archie 1, ce semestre, il n'y aura que cela. Et Archie 2, donc, vous allez avoir l'autre partie HD, microprocesseur, circuit d'interface périphérique. C'est l'étude complète de tout cela. Et ça sera Archie 2. Maintenant, Archie 1 plus Archie 2, ça va faire Archie, tout simplement, un module annuel. Je rappelle également que Archie 1, pour ce semestre, vous n'avez que cours et TD, contrairement à ISIL qui font cours TD et TP. Mais vous allez avoir Archie 2, et dans Archie 2, que ISIL n'ont pas, vous allez faire dans le deuxième semestre, Inch'Allah, 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 on fera cours TD et TP. Voilà. Ça, donc, c'est pour le schéma synaptique. C'est quoi ça? Donc, un apportif. أنا أتندي أتندي هم ما كونيسي با مكان ماشي هدرت معاه لا ياسين ما تهدرش مع ماشي ياسين، تهدر مع ياسين لبرا مش في لو كور، ولا تهدر مع ياسين اون بريفي. شوف مسيو بوشاقور نتفاهموا في حوايج. جو سوي ان انسينيون الشيما لا دي شيما سينوبتيك نو سافون دي كان بروسيسور دوا تتر بيلوتي بار ان سيركوي دورلوج نسبا بار ان سيركوي دورلوج. Alors, on va sur quelques caractéristiques fondamentales et je vais justement commencer par cette horloge-là. Parce que l'horloge, elle a une très grande importance dans la micro-informatique, enfin dans l'informatique en général. Parce qu'entre nous, l'horloge, c'est le temps. C'est elle qui va fixer le temps. Si votre ordinateur, votre micro-ordinateur est rapide, c'est grâce à l'horloge. Okay? C'est l'horloge qui va dire quelle est, en termes de temps, la performance de votre machine. Alors, fréquence d'horloge, c'est un paramètre très important que nous devons prendre en considération. Et donc, ce slide, s'il vous plaît, il est très important. Suivez-le attentivement et posez-moi des questions. Donc, parmi les paramètres importants d'un micro-ordinateur, justement, c'est la fréquence d'horloge. Alors, c'est quoi, la fréquence d'horloge? C'est la fréquence de pulsation. Pulsation, c'est le battement. Hein? Quand on dit la pulsation du cœur, c'est le battement du cœur. Hein? Donc, c'est ça la pulsation. Et si vous prenez le signal d'horloge, voilà le signal d'horloge. Vous voyez, il y a un niveau haut, il y a un niveau bas, il y a un niveau haut, il y a un niveau bas, un niveau haut, un niveau bas. Donc, il y a de la pulsation. Donc, c'est la fréquence de pulsation générée par qui? Par le circuit d'horloge. Donc, la fréquence AD, elle est générée par qui? Par le circuit d'horloge. Pour faire quoi? Pour le cadencement et la synchronisation des opérations dans l'ICT, dans le processeur. C'est quoi le cadencement? C'est la longueur des pas. Maintenant, le cadencement des pas des militaires, qui connaissent des rouhatnin, les militaires. Donc, ils peuvent avoir un pas long, un pas court. Si le pas
et lent, ils vont être rapides. Si le pas est court, ils vont être quoi? Moins rapides, tout simplement. Donc, la fréquence d'horloge va fixer justement la vitesse des opérations, les opérations pour moi, donc c'est les instructions, et même la synchronisation de ces instructions dans un programme, ou peut-être une instruction, ou peut-être baisse, ou peut-être la suivante, etc. Donc tout cela, ça va être la fréquence de l'horloge qui le fait. Donc, parmi les choses, donc, la fréquence d'horloge va fixer quoi? Le temps d'exécution des instructions. Là, donc une figure, le signal d'horloge. Donc, vous constatez que le signal d'horloge qui est fourni par qui? Il est fourni par l'horloge, n'est-ce pas? Par le circuit d'horloge. L'une des caractéristiques, c'est quoi? C'est qu'il est carré. Hein? Il est carré. Voilà. Carré. Et il est périodique. Donc, le signal d'horloge, il est périodique. Ça veut dire, s'il est périodique, si ça est la période T, cette période va se répéter dans le temps. C'est ça périodique, n'est-ce pas? OK? Donc, deux choses pour le signal d'horloge qui est fourni ou bien généré par le circuit d'horloge. Il est périodique et il est carré. Et vous connaissez depuis la terminale, je crois que quand on dit la période, c'est d'or ou l'inverse d'or, c'est quoi? C'est tawatur, c'est ce que vous disiez. Donc, tawatur, c'est la fréquence. Et donc, la fréquence, elle est égale 1 sur t. Où t, c'est la période, n'est-ce pas? Alors, si la période t, elle est en seconde, la fréquence serait à ce moment-là en quoi? En hertz. En hertz. Donc, l'unité de travail est à la fréquence, c'est le hertz. Et l'unité de travail est à la période, qui est le temps, c'est en seconde. Et donc, la relation, c'est que la fréquence, c'est 1 sur t. Maintenant, si vous voulez mieux voir la chose, c'est quoi la fréquence? C'est quoi la fréquence? Pour ne pas seulement apprendre des règles comme ça. La fréquence, c'est quoi? C'est tout simplement, il y a combien de périodes dans une seconde? Il y a combien de périodes par seconde? C'est la fréquence. C'est la fréquence. Donc, c'est le nombre de répétitions du signal de base qui est la période. Alors, juste un exemple. Si je suppose que j'ai un signal d'horloge dont la période t est égale une nanoseconde, parce que la période n'est pas en seconde, n'est-ce pas? Si je suppose qu'elle fait la période, elle fait une nanoseconde. Alors, quelle serait à ce moment-là la fréquence? Elle serait tout simplement la fréquence, elle serait 1 sur une nanoseconde, n'est-ce pas? Okay? Si vous prenez nano, c'est 10 puissance moins 9. Faites monter 10 puissance moins 9 ici, ça devient giga. Donc, ça sera 1 gigahertz. Donc, à ce moment-là, la fréquence du micro, ça, c'est 1 gigahertz. Retenez bien ça, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Parce qu'ici, comme j'ai dit, l'informatique, c'est le temps. Et là, on parle du temps, justement. Alors, laissez-moi prendre un exemple pour être plus concret. Donc, j'attends de vous tous, vous essayez de suivre, s'il vous plaît, à l'exemple, hein, avec moi. Alors, voilà un exemple qui est assez important. Je dis tout simplement dans cet exemple, soit le programme suivant, soit le programme suivant, exécuté sur les machines M1 et M2. Donc, ça veut dire quoi? Un dit un programme, un ou le programme. Je vais vous expliquer les instructions qui sont là. J'ai un programme ici, le même programme, je vais donc l'exécuter sur deux micro-ordinateurs différents. Un SMO M1, un SMO M2. OK? J'ai deux micro-ordinateurs. Donc, un مثلا تاع منال وواحد تاع هذا اللي داو استماع هذاك بوشاغور. اوكي دونك عندي منال اي بوشاغور كل واحد عنده ميكرو اورديناتور. جو برون لو ميم بروغرام كي لا اي جو في ليكزيكوتي سور لا ماشين تاع منال اي جو في ليكزيكوتي سور لا ماشين تاع بوشاغور. اوكي اي سي ترو كو لا ماشين تاع منال ام ان سي لا فريكونس تاعها de l'horloge, c'est 1 gigahertz. Parce que Mchoumra, c'est une machine, la fréquence elle est faible. Et Bouchakor, Ando Draham, c'est une machine plus puissante. Donc, la fréquence c'est 2 GHz. Donc, certainement, il a dû payer un peu plus que Manel. OK? Donc, alors, le même programme, je vais l'exécuter sur deux machines différentes. Et ces deux machines,
se distinguent par quoi? Par leurs fréquences qui sont différentes. Deux mots sur le programme que j'ai. Voilà les instructions du programme. La première instruction, c'est move bx, 1, 2, 3, 4h. Alors, bx, cx, ça c'est des registres dans le processeur. OK? C'est les processeurs de Intel, un comme les registres bx, cx. Donc, c'est des registres. C'est des registres 16 bits. Maintenant, la première instruction, je vais trouver le move bx, 1, 2, 3, 4h. 1, 2, 3, 4, c'est une constante. H, c'est pour dire que cette valeur, elle est en hexadécimal. Okay? Le H, c'est pour dire que la notation utilisée ici, elle est en hexadécimal. Donc, je dirai l'instruction. Elle prend la constante 1, 2, 3, 4. Elle va la charger dans le registre BX. Avec les instructions d'Intel, le premier argument cité, ça veut dire le premier argument, c'est l'argument destination. Il استقبل le résultat. Donc, ça, la première instruction envoie dans BX 1, 2, 3, 4H, comme si je viens d'initialiser le registre BX. La deuxième instruction, je fais la même chose, mais avec un autre registre. C'est le registre CX. Donc, quand cette deuxième instruction est exécutée, la valeur 6, 7, 8, 9 en hexadécimal va être chargée dans CX. C'est l'équivalent du load que vous avez vu l'année dernière avec la machine pédagogique. La troisième instruction, donc elle, ce n'est pas un simple transfert, parce que move est un transfert. La troisième instruction, c'est une instruction arithmétique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est l'instruction. Elle donne l'ordre au processeur de faire la somme entre le registre BX et le contenu d'une case mémoire. X, c'est une case mémoire. OK? Donc, ça sera la somme entre le contenu de BX, les chargés 9, 1, 2, 3, 4H, et le contenu de la case mémoire qui s'appelle X. Où va aller le résultat? Il va aller dans BX. Parce que le premier argument, c'est l'argument destination. Donc, il y a une instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? BX reçoit BX plus X, où X, c'est une case mémoire. Si vous avez compris ça, donc l'instruction suivante ne pose aucun problème. AD, c'est additionner CX, BX. Donc là, je suis en train d'additionner deux registres, CX et BX. OK? Où BX, c'est le résultat de l'instruction précédente, et CX, c'est ce que j'ai chargé ici. Et le résultat de cette addition, il va aller où? Il va aller dans CX. Monsieur? Oui. CX et BX, c'est des adresses? C'est des cases mémoire. Alors, laissez-moi vous définir c'est quoi une case mémoire. Une case mémoire est caractérisée par deux choses. Une adresse et un contenu. OK? Une adresse et un contenu. Donc, quand je dis add BX, X, ce n'est pas l'adresse qui va aller dans BX, mais ça sera le contenu de la case mémoire qui va être additionné à BX. La dernière instruction, c'est add YCX. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette instruction? Elle fait la somme entre une case mémoire qui s'appelle Y et CX. Donc, le processeur va prendre le contenu de la case mémoire Y, il va le sommer dans CX, il va le sommer avec CX, et ça va s'effectuer dans l'UAL. Et le résultat de cette opération-là va revenir dans Y, parce que le premier argument, c'est l'argument qui reçoit le résultat. OK? Ada, c'est l'explication du programme. Attendez. Et là, dans cette colonne, j'essaie d'expliquer quelque chose. Alors, sauf maintenant, on va plus dire période, on dira cycle d'horloge. Le dictionnaire. Donc, un cycle d'horloge, c'est quoi? C'est la période de l'horloge. OK? Alors, dans cette colonne, on va donner combien de périodes de l'horloge, combien de cycles d'horloge il faut au processeur pour exécuter une instruction. Parce qu'il y a des instructions qui vont s'exécuter très rapidement, ils prennent moins de périodes de l'horloge qu'une autre, ils prennent plus de cycles machines. Quand des instructions font une période, ils vont s'exécuter, donc ils vont prendre une nanoseconde, mais quand des instructions qui prendront plus, qui vont prendre maintenant trois périodes de l'horloge, donc le temps d'exécution de l'instruction serait combien? Serait tout simplement 3 nanosecondes. Donc, ce que je donne ici, c'est le nombre de cycles machines pour chaque instruction. Maintenant, la première instruction, on nous dit que
هذه الانستركسيون اللي غا سيكزيكوتي عن طرو سيكل دورلوج صافي دير اذا الانستركسيون بدات لهنا صافي بروندر اون دو طرو سيكل ماشين باش تخلص لا ديزيام انستركسيون اللي دي ميم فورما موف سي اكس كونستانت دونك سا بروند طرو لوتر Elle est plus compliquée parce que add, c'est une opération d'addition qui va s'effectuer dans l'IAL, donc elle va prendre plus de temps. Donc, on suppose qu'elle fait cette période de l'horloge pour s'exécuter. La suivante, c'est une addition qui va s'effectuer dans l'IAL entre deux registres. Ça veut dire qu'elle va passer moins de temps. Pourquoi? Parce que le processeur mélange la mémoire, les deux registres sont dans le processeur. Donc, ça va être très rapide. Et donc, ça prend 4. La dernière instruction, elle prend 12 cycles machines. Je vous laisse réfléchir ou être comme un moment. Pourquoi l'instruction prend beaucoup plus de temps que les autres? Comme réflexion. Bien, alors maintenant, pour tout mon programme qui est là, tout le programme qui est là, pour qu'il s'exécute, il faudrait que je somme tous leurs cycles machines, n'est-ce pas? Parce que la deuxième, il est qui est très classe. Donc, le nombre de cycles, le total cycle machine, ça sera la somme de tous ces cycles machines qui sont là. Donc, je dirais que mon programme, Hada, va prendre 29 cycles machines. Je rappelle que cycle machine, c'est période de l'horloge, pour s'exécuter. Ça veut dire qu'il y a 29 périodes pour qu'il soit exécuté. Hein? Donc, 29, c'est la somme de Hada. Parfait. S'il te plaît, monsieur. Anan, oui. C'est quoi la différence entre Y et CX et BX? Je l'ai dit, on compte. CX et BX, ce sont des registres, donc ils sont dans le processeur. C'est des registres très rapides. Y et X, ce sont des cases mémoire. Donc il y a une différence. Que BX et CX, le processeur, il est dans le processeur. Et X et Y qui seront dans la mémoire centrale. Ça veut dire que si j'ai besoin d'une information dans la case mémoire X, le processeur doit sortir du processeur, aller à la mémoire et ramener cette donnée. Donc, certainement, ça va prendre plus de temps. Donc, BX et CX, ce sont des registres du processeur. X et Y, ce sont des cases mémoire. OK. Donc, alors, mon programme qui est là pour s'exécuter, exécuter, ça doit demander combien? 29 cycles d'horloge. Alors, maintenant, ce programme, donc, que je l'exécute sur la machine M1 ou là, sur la machine M2, ça reste toujours le même programme, n'est-ce pas? C'est le même programme. Donc, dans les deux machines, ça va prendre 29 cycles machines. Parce que je n'ai pas changé de programme. OK, donc, هذا le programme. Attendez, on m'envoie quelque chose, je ne veux pas dire ça pour l'instant. Donc, هذا le programme que je l'exécute sur la machine M1 ou là sur la machine M2, ça va prendre 29 cycles d'horloge pour s'exécuter. Maintenant, le temps d'exécution, qu'on le calcule de cette manière, voilà, temps d'exécution du programme. Le temps d'exécution, là, le temps d'exécution, la seconde. Le temps d'exécution, ça sera quoi? Ça sera le total cycle machine, tous les cycles machines de mon programme, divisé par la fréquence. Si je fais ça, je sais 1 sur t, ça va me donner la fréquence. Mais si je fais t égale 1 sur f, 1 sur f, ça va me donner le temps. Donc le temps d'exécution sera total cycle d'horloge, ce que j'ai calculé ici, divisé par la fréquence. Alors, à ce moment-là, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Si je prends ce programme-là et je décide d'aller l'exécuter sur la machine M1, hein, la machine M1, donc le temps d'exécution serait quoi? Le total cycle machine, qui est toujours 29, voilà, divisé par quoi? Par la fréquence de M1. De la machine M1. Et la machine M1, on a dit, c'est 1 GHz. Et 1 GHz, c'est 10 puissance 9, n'est-ce pas? Si vous faites le rapport 29 sur 10 puissance 9, le tout en secondes, ça va vous donner 29 nanosecondes. Ça veut dire que ce programme-là, si je l'exécute sur la machine M1,
je l'exécute sur la machine M1, l'ensemble des instructions seront exécutées en 29 nanosecondes. Okay. Notez que j'ai travaillé avec 29. J'ai dit le nombre de cycles d'horloge ne va pas changer parce que 29 cycles machines, c'est le nombre de cycles machines du programme. Et je suis sur le même programme. Par contre, si je prends ce programme maintenant et je l'exécute sur la machine M2, le temps d'exécution à ce moment-là serait quoi? La même chose, total cycle machine, qui est 29, divisé cette fois-ci par la fréquence M2. Alors, je suis sur la machine M2. Et la machine M2, sa fréquence est 2 GHz, ce n'est pas 1 GHz. Donc, je divise par 2 10 puissance 9. C'est ça, 2 giga. 10 puissance 9, ça veut dire giga. OK? Et le tout, c'est en secondes. Et ça va me donner combien? 14,5 nanosecondes. Qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez que le même programme sera exécuté beaucoup plus rapidement dans la machine M2 que de l'exécuter sur la machine M1. Pourquoi? Parce que la machine M2, elle a une meilleure fréquence. Et comme elle a une meilleure fréquence, donc le temps d'exécution va être meilleur. Le nombre de cycles d'horloge n'a pas changé, 29, 29. C'est la fréquence qui a fait la différence. Donc, il est clair, plus vous payez pour la fréquence, plus vous obtenez un temps d'exécution meilleur, tout simplement. Des questions sur ça? Monsieur? Oui. Ma femme Tchadja, les BX et CX, ce sont des registres. Ou les registres font des adresses. Qu'est-ce qu'il y a de BX? Vous avez dit, Kotena, BX et CX, ce sont des registres. Des registres, ok? Je n'ai jamais dit que les registres ont des adresses. Je reviens à marche arrière pour que vous compreniez cela. Donc, ne me faites pas dire ce que moi, je n'ai pas dit. Je reviens ici. Les registres, j'ai un nombre de processeurs, ils sont là. Dans mon exemple, BX et CX sont là, ok? Ils sont là. Vous voyez que le bus d'adresse, les adresses sortent. Il n'y a rien à adresser dans le processeur. Donc, les registres n'ont pas d'adresse. C'est les cases mémoire qui ont des adresses. Pourquoi? Pour accéder à une case mémoire, j'envoie l'adresse. OK? Donc, les registres n'ont pas d'adresse. Donc, ce que vous venez de me dire, c'est vrai que BX et CX, ce sont des registres, mais ce qui n'est pas vrai, c'est que BX et CX ont des adresses. Ça, c'est faux. Oui, je vous écoute. BX et CX ferment des valeurs normales. Ferment des valeurs, oui. On a défini un registre comme étant un emplacement de stockage, n'est-ce pas? Si c'est un emplacement de stockage, c'est pour donc contenir une valeur des données. Donc, monsieur, ouais. Donc à la BHA, AD BXX, sept cycles d'horloge ou AD YCX, 12, parce que Y راهي برا في لا ميموار ماشي لداخل. اي والله دوكا وليت نسمع مليح، اسمعني مليح. وي ماشي. بريني سو AD، هذا الاول، هذا لو AD الاول. سي جو ليكري اون بسودو كود، سي جو ليكري اون بسودو كود، اي فا مو فار، خلينا نحكم نديرها بار انوتاسيون باش تشوفوها خير. ورا اسمع ديرها بار انوتاسيون باش تفهموها. سي جو برون هذه الاولى تاع اد بي اكس اكس هذه اللي فام فير بي اكس اتاندي جو شانج جو سيبوز كو سي لا او جو شانج لا كولور ان شاء الله ان شاء الله الا جو ريبرون سا فام فير ان بسودو كود بي اكس ريسوا غادي ندير كوم سا بx بلس لو كونتوني دو x هكذا لو كونتوني دو لا كاز ميموار لوبيراسيون فا سيفيكتي دون لو ال سي بون مي لو ريزولتا فا ريستي او دون bx دون لو بروسيسور نيس با سا فدير لا ميموار راح تلها ان سيل فوا بور راملي سون كونتوني بور فير لاديسيون دون لو ال خلينا ناخذ ماتنو هذه لا دوسيام تاع اد يكريك سي اكس لاسي مو شانجي دو كولور
je viens là. Maintenant, on va écrire la deuxième, de Haria. Haria, elle me dit quoi? Elle me dit Y reçoit Y plus CX. Il est clair que la deuxième, elle est plus longue en termes de temps. Pourquoi? Parce que si la première, la mémoire, le processeur, il l'a une seule fois, n'est-ce pas? Il gère son contenu et le résultat, il reste dans BX, dans le processeur. Et dans la deuxième, vous voyez que le résultat doit revenir à Y. Donc, il y a combien d'accès à la mémoire? Deux fois. Deux fois. Pour aller chercher la donnée et la ramener pour l'UAL pour faire l'opération. Et quand le résultat est prêt, le processeur revient à la mémoire. Et donc, c'est plus lent. C'est pour ça que Harry, elle prend 12 ou Harry, elle prend 7. J'espère avoir expliqué ça. D'autres questions, s'il vous plaît? Parfait. Donc, comprenez bien le slide, Hada, parce qu'il est très important. Ça va être notre base non sécurisée. Iman, je te fais toujours des remarques. Mais allez, je te fais des remarques. Parce que la dernière fois, je t'ai fait une remarque pour non. Vous étiez que tu petit non. Alors, quand tu dis non, c'est clair, خليني انا في حرج. Je préfère oui, c'est clair. Voilà. OK. Je le dis du bon côté, hein, du bon côté. OK, donc comprenez ça parce que l'une de nos missions à le semestre, c'est d'aller estimer le temps d'exécution de n'importe quel programme. OK? Et nous allons chercher un programme, on dit le programme هذا, il lui faut temps de seconde, en un seconde pour s'exécuter. Point final. Alors, je passe au slide suivant parce qu'on a peut-être le temps. Est-ce que vous avez quelque chose juste après? Est-ce que je peux vous prendre 10 minutes, s'il vous plaît? Pour qu'on soit prêt au TD. G1 et G3, ils ont un TD. À quelle heure? Moins 20. Non, à 15h. Hein? À 15h? Donc, je peux vous prendre 10 minutes. Pour terminer, il me reste un slide à la 2 et je termine. Parce qu'on aura besoin la semaine prochaine pour le TD. Malish? Oui. OK, merci. Merci. OK, alors, si nous avons la notation. Parfait. Donc, on avance, s'il vous plaît. Je termine. Alors, on a commencé par l'horloge, on l'a expliqué, on a fait des calculs. Maintenant, je passe maintenant un peu expliquer le processeur. Brièvement, parce que le processeur, c'est beaucoup plus le chapitre 2, mais brièvement. Alors, le processeur, bien sûr, CPU d'un micro-ordinateur, il comprend quoi? Des registres. Donc, s'il y a des registres, ils sont dans le processeur, dans le microprocesseur. Donc, il comprend des registres généraux. Il peut contenir des registres spécifiques tels que le registre d'état, le pointeur de pile, le compteur ordinal. J'avais déjà expliqué ça la semaine passée. L'unité de commande et de contrôle, et un fil d'instruction, bien le cache. Bien, alors je commence. Alors, registres généraux, c'est quoi? Ce sont des zones de stockage internes au processeur. Donc, quand on dit registres généraux, ils sont dans le processeur. Okay? Et c'est des lieux de stockage. Où les données à traiter par le programme sont chargées. C'est-à-dire les données que je veux travailler avec pour un traitement doivent être chargées dans les registres pour faire ce traitement-là. Et je vous rappelle que les registres, ce sont des zones de stockage très, très rapides. Donc, ils sont très rapides, mais en nombre limité. Exemple, pour le processeur de Intel, vous avez des registres qui s'appellent AX, BX, CX, CL, DL, ça c'est des registres. Okay? Donc ils sont à l'intérieur du processeur. Et ces registres, ce sont des registres généraux pour un traitement général. Je passe ici aux registres spécifiques, c'est-à-dire les registres qui ne sont pas pour un traitement général, ce n'est pas pour contenir les données de traitement. Eux, ce sont des registres spécifiques. Donc ce sont des zones de stockage interne au processeur pour un traitement à usage spécifique. Donc, en termes de mission. Maintenant, je donne un exemple, le compteur ordinal est un registre.
Et à partir du moment que je dis c'est un registre, ça veut dire qu'il est dans le processeur. Mais Helen ne peut pas être, le compteur ordinal, comme étant un registre, ne peut pas être utilisé pour contenir la valeur d'une variable. Il a sa mission particulière. Donc, c'est un registre qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter dans le programme. C'est ce qu'on a dit. Donc, le compteur ordinal, c'est un registre qui contient toujours quoi? L'adresse de la prochaine instruction d'un programme. Un autre registre spécifique qui n'est pas là pour véhiculer les données de traitement, c'est le registre d'état. Alors, ce registre d'état, c'est un registre spécifique, donc à usage spécifique, où chaque bit de ce registre est appelé bit d'état. Donc, chaque bit de ce registre s'appelle bit d'état. Ou bien, si vous voulez, en anglais, on l'appelle flag. En anglais, flag, ça veut dire un drapeau, n'est-ce pas? Fournissant une information spécifique. Donc, chaque bit va fournir une information spécifique sur quoi? Sur l'état du processeur. Donc, chaque bit de ce registre va me donner une information sur l'état du processeur. Par exemple, les bits d'état CF, OF et ZF. Vous les connaissez parce qu'elles sont manifestes. CF, c'est pour dire carry flag. OF, c'est pour dire overflow flag. Et ZF, c'est pour dire le zéro flag. Ça, c'est des bits d'état appartenant à un registre spécifique. Ce registre spécifique, il est dans le processeur. Donc, le registre d'état ne peut pas être utilisé pour des calculs, pour des traitements. Parce qu'un de il contient des bits d'état, où chaque bit est un bit d'état, donc il me donne une certaine information. Vous connaissez en principe ça depuis l'année dernière. OK, alors c'est le dernier slide. Hein, hein. J'essaie un peu de revenir sur les bits d'état, vous les connaissez. CF, c'est le carry flag, n'est-ce pas? Le carry flag, vous l'avez déjà étudié l'année dernière, mais Khalini a une autre définition un peu différente par rapport à ce que vous avez fait l'année dernière. Alors je dis tout simplement, ce bit, lorsqu'il est positionné à 1, qui le positionne, c'est le processeur. Il le positionne quand? Suite à une opération arithmétique. Donc ce bit, quand il est positionné à 1 par le processeur, il va me signaler un dépassement de capacité. C'est quoi un dépassement de capacité? Il va me dire que l'opération que je viens de faire, le résultat TH ne peut pas être écrit dans l'endroit prévu pour cela. C'est-à-dire, elle demande plus de bits pour l'écrire. Donc, c'est un dépassement de capacité. Mais attention, c'est un dépassement de capacité quand l'opération est non signée. C'est-à-dire, quand je suis en train de travailler avec des nombres non signés, même si je dessine, là où je ne dis pas moins 12 plus 24. Donc, je travaille en valeur absolue. C'est ça une opération non signée. Si je viens. Ah, pardon. Oh, marche arrière. Ah, non, je peux faire ça. Si je vais à OF maintenant, c'est Overflow Flag. Vous l'avez déjà étudié. Pour moi, CF et OF. Les deux, ce sont des dépassements de capacité. Ce n'est pas ce que vous avez fait l'année dernière, mais c'est complémentaire. Donc, les deux, ce sont des dépassements de capacité. Un dépassement de capacité, c'est quoi? C'est que le processeur souffre du nombre de bits pour pouvoir écrire le résultat. Mais un touche assez de bits pour écrire le résultat. Mais le ORF, oui, c'est un dépassement de capacité, mais pour les opérations signées seulement. C'est les opérations, on parle de signes, plus, moins, etc. Sinon, vous avez dit retenue, vous avez dit débordement. Là, je donne, zut, je donne donc une autre manière de voir la chose, tout simplement. Donc, je n'ai pas de règles à apprendre, parce que je dirais dans les deux cas, c'est un dépassement de capacité, tout simplement. Mais ouais, pour les opérations non signées, ouais, pour les opérations zéro, signées. Un dernier bit d'état, c'est le bit ZF. Le bit ZF. C'est un autre bit d'état dans le registre d'état. Ce bit, quand il est positionné à 1 par le processeur, c'est le processeur qui le positionne à 1, c'est pour me dire quoi? Que le résultat de cette opération-là est nul, tout simplement. Que le résultat est nul, ça veut dire est égal à 0. S'il n'est pas nul, le processeur va me dire ZF égale à 0. Si le résultat est nul, il va me dire ZF égale à 1. OK. Pour illustrer tout cela, je donne un exemple.
Alors, l'exemple, c'est quoi? Effectuer les opérations suivantes. Donc, on a atteint un certain nombre d'opérations. La première, c'est FFH. Je rappelle que H, pour moi, c'est pour dire que l'écriture, elle est en hexadécimal. FFH plus 0,1H. Une autre opération, 7FH plus 0,1H. La troisième opération, 80H plus FFH. OK? Voilà trois opérations. Je veux que vous me donniez les résultats de cela. Mais également, pour chaque opération, vous allez me donner CF, OF et ZF après l'opération. C'est-à-dire ce que le processeur va générer. OK, alors je vais commencer. Si je prends la première opération, FF plus 0,1, voilà FF en binaire. Hein, FF en binaire, plus 0,1 qui est là. Et donc, le résultat serait ce résultat-là, des zéros partout. Alors, ce qu'il faut retenir, quand je suis dans les processeurs, il y a toujours une compatibilité entre la taille du résultat et la taille des arguments. Donc, si les arguments TOA sont sur 8 bits, le résultat il est sur 8 bits. Il n'y a pas de social. Donc, quand j'ai la famille F3 ou la famille F4, etc. Donc, le processeur voit la taille des arguments et sur la base de la taille des arguments, il dira voilà la taille du résultat. Et si les arguments sont sur 8 bits, le résultat serait sur 8 bits. Donc, le résultat de cette opération, c'est bien 0000000. OK? Alors, s'il vous plaît, le résultat est-il correct ou incorrect? Monsieur, incorrect. Il est incorrect. Donc, j'ai des avis partagés, n'est-ce pas? Il y a ceux qui disent correct et il y a ceux qui disent incorrect, n'est-ce pas? Laissez-moi donner mon avis, moi. Moi, je dirais qu'il est à la fois correct et incorrect. Oui, monsieur. Je peux le voir comme correct et je peux le voir comme incorrect. Alors, j'explique ça. Alors, tout dépend, est-ce que mon opération elle est signée ou non signée. En fait, je vais poser une autre question intéressante, très intéressante. Donc, elle mérite d'être posée pour comprendre ce que je veux expliquer. Non, Khalina, on dit ça d'accord. Voilà ma question. Si je vous écris cette valeur, FFH, H c'est pour dire hexadécimal. Donc tout le monde écoute la question, s'il vous plaît. Si je vous dis de me convertir cette valeur en décimal, vous allez me dire, elle fait combien cette valeur? Ça c'est Yassine qui le dit. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, monsieur, c'est 255. Anna, je ne suis pas d'accord. Anna, je pourrais dire, oui, Yassine a raison, c'est 255 en décimal, mais c'est également une autre valeur. Donc, 128. اصبر لي اف اف الي سوا 255 en décimal سوا moins 1 en décimal. La différence elle est où? Comment je suis en train d'interpréter FFH? Est-ce comme étant un nombre signé ou la non signé? Si FFH est un nombre non signé, à ce moment-là, il n'y a pas de bit de signe parce que c'est non signé. Et donc, voilà FFH. Et donc, tous les bits vont participer dans la valeur du nombre. Tous les 1 qui sont là vont être comptés. Et si vous comptez tout cela, vous allez sortir avec 255. Donc, 255, c'est FFH, je le considère comme étant non signé. C'est bon? Maintenant, quelqu'un d'autre peut voir FFH comme étant un nombre signé. Si c'est un nombre signé, donc voilà FFH, n'est-ce pas? C'est des 1 partout. Si FFH est un nombre signé, la première des choses que je vois, que ce nombre est négatif. Parce que je dis signé. Comment je le vois? Quand je dis signé, ça veut dire que je travaille en complément à 2. Et donc, je vois que ce nombre est négatif à cause du bit de poids fort qui est là, qui est égal à 1. Donc, en complément à 2, si le bit de poids fort est égal à 1, ça veut dire que le nombre est négatif. Donc, on a gagné, voilà le moins.
Maintenant, ni j'ai 1. Quand le nombre est négatif, je ne peux pas voir directement la valeur du nombre. Donc, il faut prendre le complément à 2. Et en prenant le complément 2, le 1, 1, 1, 1, 1, je passe par le complément 1, donc ça devient des 0 partout. Plus 1, j'obtiens le complément 2. Et donc, ça sera 1. Voilà, 1. Donc, FFH, elle est à la fois 255 si FFH est considéré comme étant non signé. Et c'est égal à moins 1 si elle est considérée comme étant signée. Donc, quand j'avais posé la question « Que vaut FFH en décimal ?», vous n'auriez pas dû me dire 255 directement. Vous auriez dû me dire « Comment dois-je interpréter ce nombre »« Est-ce comme signé ou non signé ?» Ok ? Alors, je reviens à mon opération ici, et j'avais dit « Est-ce que le résultat ici est correct ?» Ben, pour moi, il est correct et incorrect à la fois. Ça dépend de ce que je suis en train d'interpréter. Est-ce que cette opération comme étant signée ou non signée? Est-ce que je suis en train de travailler avec des nombres ou pas? Ben, je sais que ça dérange certains. Quand vous dites à quelqu'un quel est ton âge? Selon vous, la réponse qu'il va vous donner, elle est signée ou non signée? Qui trouve le واحد شحال في عمرك? Il va vous répondre. C'est non signé. Parce que j'ai moins 5 ans. Donc il va dire j'ai 25 ans. Donc il n'y a pas de signe. Donc certaines valeurs, certaines données, certaines variables, par leur nature, elles sont non signées. Maintenant, si je vous dis quelle est la température maintenant à Montréal, au Canada, à Montréal, vous allez me dire elle est moins 2. Donc, par leur nature, la température est un nombre signé. Ce n'est pas moi qui choisis est-ce qu'une donnée elle est signée ou non signée, c'est sa nature qui le dit. Est-ce que c'est signé ou non signé? Ok, donc alors je reviens à cette opération. Si je la considère comme étant non signée, ça veut dire, Eden Koul, Rani Nahdem avec des données non signées, et j'ai fait cette somme, non signée, est-ce que le résultat est correct ou incorrect? Donc, comme étant non signé, j'ai dit la valeur de FF, c'est 255. 255 plus 1, c'est 256. Et donc, 256, ce n'est pas zéro. Donc, ça veut dire que le processeur n'a pas assez de bits pour représenter le résultat. Oui. Et donc, il va me le signaler, CF égale à 1. Comme s'il me dit, personne n'a dit CF, c'est pour non signer. Et CF égale à 1, ça veut dire quoi? Il y a un dépassement de capacité. Ça veut dire comme si le processeur me dit, je suis en train de souffrir parce que je n'ai pas assez de bits pour écrire le résultat de cette opération. OK? Donc, il y a problème. Quelqu'un d'autre est en train d'interpréter cette opération comme étant signée. Comme étant signée. Donc, est-ce que le résultat est correct ou incorrect? Oui, c'est correct. C'est correct. Pourquoi? Parce que ça, voilà, FF, c'est moins 1 comme étant signé. Alors, moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Et donc, le résultat est correct. Donc, il n'y a pas un dépassement de capacité. OK? Alors, je continue pour vous libérer. Alors, ZF, c'est pour dire est-ce que le résultat est nul ou pas nul. Si le processeur le positionne à 1, c'est pour me dire que le résultat est nul. On constate bien que le résultat est nul, n'est-ce pas? Donc, ZF égale à 1. Alors, pour vous aider pour les TD, je vais faire avec vous la deuxième opération. D'accord? Alors, je prends vous voulez que je fasse la deuxième ou la troisième? باش نخليكم وحده علي بون لا تروازيام اوكي لا تروازيام انا شكون هذا مروه وكلكان دوتر اون شوازي لا تروازيام اون في لا تروازيام الله يبارك لا تروازيام لا تروازيام الوغ فوالا لوبيراسيون هذه انت 80 اش 80 اش سا سيكري كوم سا اون بينير و اف اف سا سيكري كوم سا نيسبا سا سيكري كوم سا
On fait la somme. Tout le monde sait faire la somme, je suis sûr. Gardez en tête, Berg, que la taille en bits du résultat est compatible avec la taille des arguments. Ça veut dire que si mes arguments sont sur 8 bits, le résultat est sur 8 bits. C'est comme ça que travaillent les processeurs. OK? Donc, voilà le résultat. Alors maintenant, est-ce que le résultat est correct ou incorrect? Est-ce que je le prends ou je ne le prends pas? Bien. Alors, si je suis en train d'interpréter cette opération comme étant non signée, comme étant non signée, comme étant non signée, ça veut dire qu'il n'y a pas de bits de signe. Ça veut dire que tous les bits participent dans la valeur du nombre, n'est-ce pas? Il est clair à ce moment-là que Q, 1 plus 1, ça donne 10. Donc, il y a un 1 qui va se trimballer ici, il va y avoir une retenue. Ça veut dire que ce résultat n'est correct que si j'ai 9 bits. 8 bits ne permettent pas d'avoir un bon résultat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, le bon résultat, ça sera un 1. En plus, il y a ici un 1, cette valeur-là. Pourquoi? Parce que 1 plus 1 donne 10. Donc, il y a une retenue. Ça veut dire que le résultat, il est plus grand que ce que je peux écrire sur 8 bits. À ce moment-là, le processeur va dire CF égale à 1. Comme s'il me dit, non, ne prends pas ce résultat si tu es en train de considérer cette opération comme étant non signée. C'est le processeur qui parle. Il va me dire, parce que je souffre, je n'ai pas assez de bits pour représenter ce résultat. Ou a dit, je souffre parce que je n'ai pas assez de bits. Ça se traduit par quoi? Le processeur va mettre CF égale à 1. Mais ça, pour une interprétation non signée, quand je suis en train de considérer cette opération comme étant non signée. Donc, le processeur, il a un problème. Le résultat n'est pas bon. Passons maintenant. Si je considère cette opération comme étant signée, à ce moment-là, c'est OF qui m'intéresse, n'est-ce pas? Alors, est-ce que le résultat est bon ou n'est pas bon pour signer? Bon, je crois que tout le monde voit. Alors, on C'est peut les correct, monsieur, normalement. correct. Wallah, شوفي مدموزيل زافون سامحيني يا سامحيني اوكي فو سا بيدير انكوريكت واي اسا نو زافون ا دي سي بون نو سي نيت با بون جو في ليكسبليكي جو في ليكسبليكي يا اخي فو زيت داكور افيك موا que si je considère OM, je suis en train d'interpréter l'opération signée, n'est-ce pas? Et si c'est signé, ça veut dire que chaque nombre est signé. Qu'est-ce qu'on peut dire du premier nombre qui est là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut Négatif dire? plus négatif donne Il est positif. négatif. Négatif, très bien. Donc, négatif. Juste, je vais faire ça pour dire que le premier nombre est négatif. C'est bon? C'est bon? L'opération est un plus, n'est-ce pas? Tout le monde voit que c'est un plus. Voilà le plus. Le deuxième nombre, celui qui est là, il est positif ou là, négatif? Négatif. Négatif. Vous êtes en train de voir ce que je suis en train d'écrire, Eche. Vous voyez ce que je suis en train d'écrire? Oui, monsieur. Très bien. Le deuxième, tout le monde a dit, il est négatif, n'est-ce pas? Je parle de celui-là, parce qu'il y a un 1 ici. Il est négatif. OK. Alors, s'il vous plaît, on ferme les yeux, on va dire, il est denier, denier. Quand je fais la somme de deux nombres négatifs, ça doit me donner quoi? Négatif. Négatif. Mais là, je vois quoi? Un nombre Positif. Et il me donne positif. Donc, si le Débordement. processeur, voilà, ça veut dire quoi? Si le processeur avait assez de bits pour représenter le résultat, s'il avait assez de bits, il devait me donner un résultat négatif, n'est-ce pas? Mais le fait qu'il me donne un résultat positif, ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas assez de bits pour représenter le résultat. Ce qui est faux, n'est-ce pas? Donc, il va me dire, même comme étant signé, le résultat n'est pas bon. Donc, ici, vous voyez quoi? Dans les deux cas, le résultat n'est pas bon. Alors que dans la première opération, le résultat, il est bon pour signer, mais il n'est pas bon pour non signer. Ici, donc, dans les deux cas, le résultat n'est pas bon. OK? Je vous laisse interpréter ça. En tout cas, quand vous interprétez à la deuxième opération, tout le monde va dire que, qu'en mettant une opération non signée, le résultat est bon, contraire à la première, mais qu'en mettant signée, le résultat n'est pas bon.
Je termine en disant, donc je reviens à la troisième. Bon, ZF égale à 0, pourquoi? Parce que le résultat n'est pas nul. Voilà, donc s'il vous plaît, merci pour le cours d'aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine en présentiel et on se voit également en TD. Donc les TD vont commencer la semaine prochaine. Les TP ne vont pas commencer la semaine prochaine, ils commenceront l'autre semaine. Ah non, tout le monde comme je TP. Donc les TD vont commencer la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà.